Chris, Chris, Isaac, Chris.
عندك عندك ناس كبيرة بجد لا رجع ثاني كبيرة وين عربي عربي وين عربي وين كم هاك انا صار لازم نجوا وين وما جنبوين انتوا عربي ما زاد جلابه دق ادو قاعد وين هذا Le nouvel exécutif a à sa tête le général des corps d'armée Mohamed Idriss Déby, qui de fait est le nouveau chef de l'État. Son portrait avec Dibrenou Alouali. C'est la figure la plus en vue de la transition militaire qui s'installe à la tête du Tchad. Le général des corps d'armée Mohamed Idriss Déby, 37 ans, assume désormais cette lourde responsabilité. De fait, en présidant le conseil militaire de la transition qui a pris les rênes du pays à la suite du décès du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou. Le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, pour ainsi dire, est l'incarnation du dynamisme de l'armée nationale tchadienne qui a rajeuni ses rangs et s'est professionnalisé grâce à l'audacieuse réforme menée d'un main de maître par son chef suprême, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, qui, de son vivant, a remué ciel et terre pour doter son pays d'une armée véritablement nationale, une armée qui fait aujourd'hui la fierté de l'Afrique. Le général Mohamed Idriss Déby n'est pas un inconnu des Tchadiens. Né le 1er janvier 1984, il a commencé sa carrière entièrement militaire à l'école des officiers interarmées GEMIA. Il a très vite tapé dans l'œil de ses supérieurs. Il s'est vu confier des responsabilités dès son jeune âge, d'abord conseiller, puis commandant dans plusieurs groupements de la garde présidentielle. Le lieutenant qu'il est à titre d'école a été successivement promu au grade de chef de bataillon, lieutenant-colonel, colonel, puis général de brigade, avant d'être nommé général de division en 2015. Une année auparavant, il est nommé directeur général des services de sécurité des institutions de l'État, des GSUE. Des étoiles supplémentaires se sont ajoutées sur ses galons en 2018 lorsqu'il a été promu au grade de général du corps d'armée. L'homme, malgré son jeune âge, a gravi tous les échelons pour être l'une des références du dispositif sécuritaire au Tchad. Le général du corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, s'est très vite démarqué par son dynamisme. Les théâtres des opérations militaires n'ont plus de secret pour lui. Le massif de l'Adrar, des Ifogas, a été le témoin de la bravoure et de la témérité de ces jeunes officiers qui s'est révélé aux yeux du monde. Le commandant en second des forces armées tchadiennes en intervention au Mali Fatim, qu'il était, a fait étalage de son savoir-faire militaire. Cité dans l'ordre de la nation tchadienne avec palme d'or, l'homme est réservé une retenue qui cache des qualités humaines exceptionnelles. Ses frères d'armes lui reconnaissent un sens élevé des responsabilités, un officier républicain doué, un soldat patriote qui sait s'acquitter de sa mission, quelle que soit son envergure. C'est sûrement ces qualités qui ont pesé au sein du conseil militaire au moment du choix sur la personne à même de conduire aux destinées du Tchad dans ces contextes où il fait face à plusieurs menaces terroristes et sécuritaires. Tout naturellement, le choix est porté sur lui au regard de son parcours, son dévouement à la patrie et pour la nation tchadienne.
Azma. عندك ناس يا ربي جاي لا ربي الثاني يا ربي وين عربي عربي وين عربي وين كم معك انا صار لازم نجوا وما جنبيني تو عربي ما زاك جلابه عدو قاعد بوين هذا